Bonjour à tous. Je n'ai pas résisté au plaisir d'enregistrer cette toute première vidéo le jour de Noël 2015 pour vous faire profiter, comme à moi aussi, de la beauté de cette lumière hivernale. C'est la première de toute une longue série de vidéos que je vais poster une fois par mois sur YouTube. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et je voulais juste d'abord vous dire qui je suis pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cornelia Gauthier, je suis médecin, psychosomaticienne et j'exerce à Genève. Comment m'est venue l'idée de faire ces vidéos? Eh bien, il y a quelques mois en arrière, j'étais en train de visualiser une vidéo de Wayne Dyer dans laquelle il racontait une histoire qui l'avait beaucoup marqué. Parce que lorsqu'il avait 19 ans, il avait entendu parler d'un homme qui avait détesté le monde entier autour de lui et toute sa vie, et qui, à la toute dernière seconde de sa vie, a eu une prise de conscience en se disant « si je m'étais trompée toute ma vie ?» Et puis les morts. Et alors Wayne Dyer raconte qu'il a été tellement choqué de cette histoire qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas que ça lui arrive. Et il s'est alors écrit une lettre à lui-même intitulée « Dear Wayne, don't die with your music still inside of you. » Quand j'ai entendu ces paroles, cela a eu un tel impact sur moi, parce que depuis plus de 10 ans, je pense, je suis tout le temps habitée par cette idée de partager toutes mes connaissances, toutes les choses que j'ai découvertes, toutes les choses que j'ai analysées, presque disséquées, structurées, mises en forme pour que ce soit compréhensible. Et j'étais tout le temps traversée par cette idée que je ne peux pas mourir avant d'avoir transmis ces connaissances, mes richesses que l'univers m'a offertes aux autres. Mais je ne savais pas bien comment m'y prendre, parce que j'avais déjà commencé à écrire des livres. Et ça ne marche pas trop bien, parce que il n'y a que 10 à 15% des gens qui lisent. C'est vrai, d'abord un livre c'est cher, et puis quand on rentre le soir de son travail, on n'a pas le courage de commencer à ouvrir un livre, d'essayer de se concentrer dessus. Enfin, on comprend, beaucoup de gens ne lisent pas, ou juste des journaux, ou des revues. Et puis, j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à faire des conférences, à animer des ateliers. C'est toujours beaucoup de bonheur, mais ça touche aussi un certain public choisi. Ils viennent écouter ceux qui sont intéressés. Et en fait, plein d'autres personnes pourraient avoir une utilité de connaître ces informations et en fait ne sont juste pas accessibles par ces deux moyens-là. Et quand j'ai entendu ces paroles de Wayne Dyer, je me suis dit, Cornelia, don't die with your music still inside of you. Ça veut dire en français, ne meurs pas en ayant encore toute ta musique
à l'intérieur de toi. Alors, je me présente, donc je vous ai dit, je m'appelle Cornelia Gauthier et je suis née en 1951. Et oui, ça fait déjà un bail. Hein. Et dans un petit village de la Suisse romande appelé Saint-Tréfonds. Et j'ai grandi là les 7 premières années de ma vie dans la nature. L'école ne commençait qu'à 7 ans. Et jusque-là, eh bien, je passais mon temps à me rouler dans l'herbe, à grimper sur les arbres, à courir par monts et par veaux, à me cacher dans les grands blocs de marbre de la carrière de Saint-Tréfonds, à aller ramasser des têtards dans les gouilles. Enfin, vraiment, un début de vie totalement au contact de la nature. Et je suis très reconnaissante pour ce début de vie comme ça, parce que ça m'a donné des très très profondes et grandes et solides racines qui m'ont toujours permis de m'ancrer et me ressourcer, même en période de difficulté. C'est toujours avec la nature que je me suis ressourcée et ça reste vraiment un outil de tous les jours. Et merci à l'univers pour ça. Voilà. Et alors, à 7 ans, j'ai commencé l'école. Et c'est inimaginable, cette école que j'ai suivie. C'était donc dans un village et l'école était vraiment moyenâgeuse. Il y avait la maîtresse qui s'occupait des premières, deuxième et troisième années. Et il y avait le régent qui s'occupait des quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième années. Tous dans la même classe. Alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer quel genre d'enseignement nous avons reçu. C'était juste une catastrophe. Plein de choses ne nous ont jamais été enseignées. J'ai jamais eu la moindre notion de chimie, de physique, de biologie, de langue, de maths, ne serait-ce que ça. En fait, les garçons avaient des cours d'algèbre et de trigonométrie, pendant que nous, les filles, nous étions dans une autre classe apprendre à faire de la couture. Donc, vous voyez le genre d'éducation sexiste que nous avons recevions encore à cette période-là. Et donc, moi, j'étais une bonne élève, sans plus, mais bonne, je veux dire, j'ai toujours passé tous mes degrés. Mais alors, ça ne m'intéressait, mais pas du tout, pas du tout. Et je dois dire que j'ai subi un peu ces 9 années d'école obligatoire. Et je me souviens que dans les 3 derniers mois, je faisais une petite croix tous les jours sur le calendrier pour dire qu'il y avait un jour de moins d'école. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai dit alors plus jamais je vais mettre mes pieds dans une salle de cours. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais quand même un but assez élevé, notamment en ce qui concernait ma profession, mais du coup, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais bosser par-ci, par-là, je vais travailler, je vais entrer dans le monde du travail, je vais apprendre des choses, et quand je saurai, j'apprendrai ça. Mais pas du tout les études, évidemment. Et alors, ça a duré comme ça quelques années, et un jour, je me suis retrouvée dans une pension, où en fait je travaillais à nettoyer les chambres, à aider à la cuisine. Et on m'a demandé, lorsque la cuisinière a donné son congé, j'avais donc 19 ans, on m'a demandé si je voulais prendre la relève. C'était une cuisine, on faisait à manger pour 140 personnes. Mais j'ai aimé ce challenge et j'ai dit oui.
Et le temps que, quand même, la cuisinière me forme, j'apprenne les quantités d'eau dans des gigantesques casseroles, les temps de cuisson, les commandes, combien de, les proportions, combien de mètres de riz par personne pour 140 personnes. Enfin, vous voyez, c'était quand même toute une histoire. Et j'ai aimé ce défi et je l'ai bien réussi. Je suis très fière de ça, ça s'est super bien passé. J'avais 4 personnes sous mes ordres, mais ça s'est toujours passé dans une très chouette ambiance. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais après quelques mois, je me suis dit, bon ben, je vais quand même pas finir ma vie dans cette cuisine. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et comme j'avais commencé à apprendre un petit peu l'anglais avec des cours du soir, raison de 2 heures par semaine, vous voyez, c'était pas grand-chose, je me suis dit, oh, mais en fait, je pourrais aller apprendre l'anglais parce que ça me servira, quel que soit le métier que je ferai plus tard, ça me servira toujours. Et ainsi, je suis partie, j'ai fêté mes 20 ans en Angleterre. Je suis partie, j'ai trouvé une place pendant 3 mois dans une... un ancien hôpital de l'armée du salut qui était en train de changer l'affectation des chambres pour en faire en fait des chambres pour les étudiants. Et avec la directrice, je me suis mise à rénover ces chambres et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, ce qui fait que moi je suis très forte pour tapisser les murs, poser des moquettes, rembourrer des meubles, des fauteuils, enfin j'ai appris plein de choses complètement différentes encore de la cuisine. Et puis après ça, j'ai trouvé une place dans une école de langue à Londres, où j'ai fini par passer une année. Et là, j'ai trouvé un truc génial, c'est que dans cette place, je pouvais travailler à mi-temps, ce qui me permettait d'avoir un logement gratuit et de suivre des cours à mi-temps, des cours d'anglais. Alors voilà, j'étais entièrement baignée dans cette ambiance d'anglais et j'ai appris la langue très très vite puisqu'on je la parlais toute la journée, tout le temps avec tous les gens, tous les étudiants et que j'avais en plus des cours tous les après-midi. Ce qui fait que après 6 mois, j'ai réussi à passer le Lower Cambridge Examination. Et j'étais très contente de ça et j'ai senti mon caractère un peu ambitieux se réveiller et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas le proficiency? D'ailleurs, au moment de l'examen oral, l'experte m'a demandé, vous allez faire quoi maintenant? Puis j'ai dit, ben, proficiency. Puis elle m'a dit, oh, you're ambitious. Elle dit, oui, je suis effectivement ambitieuse. Et donc, je me suis mise à me préparer à ce proficiency. Et là, je me suis mis corps et âme dans cette préparation. En 6 mois, j'ai réussi à avoir ce nouveau diplôme. Et pendant la préparation de ce diplôme, nous devions étudier un peu de littérature anglaise pour lesquelles on serait interrogé, donc, au moment des examens. Et là, il y a un livre qui m'a énormément impressionnée, qui m'a accompagnée en fait toute ma vie et m'accompagne encore. D'ailleurs, vous voyez, je vous en parle. C'était Free Fall de William Golding. William Golding qui est plus connu pour The Lord of the Flies, mais Free Fall, donc ça veut dire chute libre ou quelque chose comme ça, traduit en français. Et le sujet de ce roman, en fait, c'était que l'auteur se posait la question pendant tout le livre de à quel moment il avait vraiment perdu sa liberté de choisir. Il avait toujours l'impression qu'il faisait le choix d'un choix. Il disait, mais un jour je suis né, j'étais libre, et là je ne le suis plus, à quel moment ai-je perdu le choix de choisir? Et donc, c'était passionnant, ce livre. Et en fait, on avait la chance d'avoir une enseignante qui était extrêmement intéressante et
stimulante. Et voilà, ça m'a ouvert vraiment un monde des études que je ne connaissais pas. Et là, ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi, mais je me suis dit, mais j'adore étudier en fait. Et je me suis moi-même retrouvée dans cette situation de choisir, qui était le sujet finalement du livre. Parce que l'auteur, il dit, mais en fait, un jour j'avais 10 ans et je me baladais dans un jardin public et sur un chemin, et tout à coup je suis arrivée à une croisée des chemins. Il y avait un chemin qui partait à droite et il y avait un chemin qui partait à gauche. Et je me disais, si je pars à droite, je ne peux pas aller à gauche. Et si je pars à gauche, je ne peux pas aller à droite. Et il dit, est-ce que c'est là, finalement, que j'ai perdu mon choix de choisir? Parce qu'il y a un avant et un après. Et il ne répond pas à la question, donc on peut répondre soi-même. Mais moi, tout à coup, je me suis trouvée, en fait, de manière un peu synchrone, dans cette même situation. Est-ce que je vais dans les études ou est-ce que je ne vais pas dans les études? Et j'ai choisi les études. Voilà. Voyez. Et ça m'a pris, depuis la sortie de l'école jusque-là, 4 ans pour décider d'étudier. Et je me disais, mais je vais étudier quoi? Et puis la réponse était tout de suite là, j'aimerais étudier la psychologie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un intérêt pour la psychologie, malgré qu'on n'était pas du tout, on n'avait pas d'ouverture sur la psychologie dans mon petit village. Mais Le sujet m'intéressait depuis toujours et je me suis dit, mais alors si je veux étudier la psychologie, ça veut dire que je vais aller à l'université. Mais je n'ai pas la formation pour ça. Alors j'ai fait une école de rattrapage qui m'a pris quand même 3 ans et demi. J'ai fini par obtenir donc la maturité fédérale, qui est l'équivalent du baccalauréat, qui m'a permis ensuite d'aller m'inscrire à l'université. Et j'ai commencé les études de médecine. Et très rapidement, pourquoi la médecine? Parce que, en fait, très rapidement, après avoir eu l'idée de la psychologie, je me suis dit, non, maintenant, avec la psychologie, je n'aurai pas assez de liberté de travail. Moi, si je dois prescrire des médicaments ou une hospitalisation, je ne sais pas quoi, je devrais toujours passer par un médecin. Non, je vais faire la psychiatrie. Donc, je me suis dit, OK, je vais apprendre la psychiatrie. Et donc, pour ça, il fallait faire la médecine. Donc, c'est voilà la raison pour laquelle j'ai commencé la médecine. Et puis, j'ai fait mes 6 ans de médecine. Et pendant ces périodes d'études, j'ai été confrontée assez souvent à la psychiatrie. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, de savoir si je voulais vraiment devenir psychiatre. Parce que les psychiatres de l'époque, je pense que c'est plus le cas maintenant, mais enfin, les psychiatres que j'ai rencontrés, le discours psychiatrique de ce lieu à cette période-là, était, me semble-t-il, complètement en décalage avec ce que vivaient les patients. Il y avait des raisonnements tellement théoriques qui ne correspondaient pas à la pratique. Et moi, je me disais, mais moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Et je devenais hésitante. Est-ce que je vais vraiment devenir psychiatre? Et un jour, il y a eu une anecdote qui a fait de nouveau, qui m'a de nouveau fait faire un choix décisif, hein, de nouveau ce fameux choix de je vais à droite ou je vais à gauche. Et là, j'avais déjà fini mon diplôme de médecine. Il faut savoir que chez nous, en Suisse, une fois qu'on a fait notre diplôme de médecin, après, on fait une formation post-graduée de 5 ans en hôpital. Et là, pendant ces 5 années, j'étais en charge pendant quelques mois d'un service de chirurgie. Et j'étais en charge, c'est-à-dire j'étais le médecin qui m'occupait des 22 ou 25 patients pendant que les chirurgiens étaient en salle d'opération. Et donc j'avais énormément de travail. Et au milieu de tout cet excès de travail, de surcharge,
il y a un patient qui subitement a complètement perdu les pédales. Il est devenu fou. Il a arraché tous ses tuyaux, toutes ses tubulures. Enfin, il s'est levé, il s'est agité, il est devenu menaçant pour les autres, pour le personnel. Enfin, c'était une situation extrêmement difficile à gérer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instantanément appelé le psychiatre de garde en lui disant: viens tout de suite, il y a un patient qui est devenu fou. Et voilà qu'il me répond: qu'est-ce que tu ressens? Je dois dire, j'étais tellement sidérée par cette réponse, tellement inadéquate. C'était quand même lui, le psychiatre de garde. Ah, je lui ai dit: écoute, je ressens que ça m'énerve. Et je te demande de venir tout de suite. Et là, après cet événement, je me suis dit: non, moi je ne veux pas faire la psychiatrie. J'aimerais demander pardon à tous les psychiatres qui verront cette vidéo sur ce petit événement-là. Moi, je connais des psychiatres qui sont des gens magnifiques, vraiment magnifiques. Et je sais que ce n'était pas obligatoirement représentatif de la psychiatrie partout, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il ne m'a pas été donné de rencontrer des personnes qui m'ont inspirée, et donc c'est ainsi que j'ai fini par renoncer à faire la psychiatrie. Donc j'ai choisi de faire la médecine générale, et ça c'était vraiment un très bon choix. Je suis très très contente d'être devenue généraliste, j'ai beaucoup aimé. Et pendant ma formation de généraliste, eh bien, j'ai fait 2 ans d'alcoolologie. Et alors ça, j'ai adoré l'alcoolologie, parce que voilà, d'une manière un peu détournée, je revenais à la psychologie de base. Et ça m'a passionnée. Et j'étais connue, j'étais Madame Alcool à l'hôpital cantonal de Genève. Quand il y avait un problème, on appelait Madame Alcool, alias Cordelia Gauthier. Voilà, et quand j'ai eu fini ma formation postgraduée, donc les 5 ans, je me suis installée dans mon cabinet de médecine générale, donc un cabinet privé, où je suis devenue le médecin de famille dans le quartier, et puis où j'avais aussi, en tout cas 50% de mes patients qui étaient des alcooliques, qui m'avaient suivi. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec mes patients. En fait, pendant 14 années, j'ai eu ce cabinet de médecine générale. Mais très vite, pendant ces premières années de pratique, je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait appris à l'université ne me servait pas beaucoup. Un petit peu quand même. Hein. Et ça m'a aussi appris à être rigoureuse. Donc je suis très contente d'avoir appris la médecine. Je ne renie pas du tout. Simplement, c'était insuffisant. D'ailleurs, je me souviens du premier jour des études de médecine. On était assis dans un vieux aula et un des professeurs, un vieux professeur comme ça, autoritaire, nous a dit: écoutez-moi bien, pendant vos études, on ne vous apprendra que 60% de ce que vous devez savoir. Et je me souviens d'être restée complètement sidérée de ça. Je me suis dit: mais pourquoi on ne nous apprend pas les 100%? Évidemment, c'était une question très naïve. Voilà. Mais c'est vrai, on ne nous a pas appris les 100%. Et j'ai presque l'impression qu'on ne nous a pas appris que les 40%. Mais bon, ça c'est moi, ma vision des choses. Et je suis loin, loin de savoir les 100%. Hein. Comprenez-moi bien. Simplement, avec le bagage que j'avais, je passais tout le temps à côté des problématiques des patients. J'ai très vite compris qu'en fait, on avait appris une médecine symptomatique. On prescrivait des anti-inflammatoires, des antispasmodiques, des antidouleurs, des antidépresseurs, des anti-agréglants plaquettaires, des anti-cholestérol, des anti, toujours anti. Donc, c'est une médecine d'aller contre le symptôme. C'est une médecine dont le but est de supprimer un symptôme. Et j'ai très vite compris que si la cause
n'est pas traité, en fait, le corps fait tout le temps un nouveau symptôme. Je l'ai vu se dérouler sous mes yeux tant de fois. Je donnais un anti quelque chose à un patient, 3 semaines après, elle arrivait avec un autre symptôme, donc je lui donnais un anti autre chose, et en fait, je passais, j'avais l'impression qu'on tournait en rond. Dans cette médecine symptomatique, à un certain moment, je me suis dit, mais on est complètement à côté. Alors, comme je suis quand même quelqu'un de passionné, que je fais toujours les choses avec beaucoup de cœur et beaucoup d'intérêt, et puis de curiosité aussi, hein, je vous l'ai dit, eh bien, je me suis dit, il faut que je cherche. Je ne suis pas au bon endroit, là. Donc, j'ai commencé à entrer dans le domaine des médecines complémentaires, tout en pratiquant toujours la médecine générale, parce qu'il y avait des gens qui voulaient que de la médecine générale, d'accord? Et je répondais aux patients selon ce qu'ils avaient besoin. Mais j'ai commencé à chercher plus loin. J'ai fait de l'homéopathie, je fais de l'auriculothérapie, je fais de la morathérapie. Je me suis intéressée à faire des chélations, des métaux lourds suite aux amalgames dentaires. Je me suis occupée des pollutions électromagnétiques. Enfin, j'ai fait plein d'approches complémentaires en trouvant chaque fois des choses très intéressantes dans chacune de ces approches, mais jamais j'ai trouvé la solution. Donc en fait, j'ai pris partout tout ce que je trouvais d'intéressant, puis je le mettais dans mon bagage, dans ma valise de médecin. Voilà, je rajoutais des nouveaux outils, mais ça ne suffisait pas. Et en 1999 a commencé la première formation des médecins psychosomaticiens romands, donc en Suisse. Et là, je me suis inscrite. Et je me suis dit, je vais peut-être toucher quelque chose là. Parce que là, on commençait à s'intéresser vraiment, enfin aussi en médecine complémentaire d'ailleurs, hein, mais vraiment dans la formation de ce que nous offrait cette nouvelle approche, on s'intéressait à la personne dans sa globalité, la psychosomatique, c'est-à-dire la tête et le corps. Et pour faire cette formation, alors il y avait plein de cours qui étaient dispensés, mais il fallait aussi rajouter des centaines en fait d'heures de formation par-ci par-là pour pouvoir cumuler suffisamment d'heures pour obtenir ce certificat de psychosomaticienne. Donc j'ai commencé à apprendre l'hypnose, l'EMDR, le psychodrame, voilà, entre autres. Et ça a commencé à devenir de plus en plus cohérent. Les thérapies que je pouvais proposer devenaient de plus en plus adéquates et complètes, et ça venait aussi de plus en plus intéressant. Mais bon, je réglais de loin pas tous les problèmes, hein, ça c'était clair. Il y avait toujours les patients chroniques qui revenaient avec des problématiques qui se réactivaient tout le temps. Il y avait encore ça, mais un peu moins quand même. Et j'avais un peu moins la sensation de la toxicité de mon approche médicale. Hein, parce que quand on envahit les patients tout le temps avec la chimie, on finit aussi par créer des problématiques avec ça, il faut savoir. Donc j'étais contente, mais c'était pas tout à fait ça. Et un jour, pendant cette formation de psychosomatique où je devais donc cumuler des heures, on m'a dit « Oh, mais tu sais, il y a une formation qui est très intéressante. C'est Anne Bannister de Londres qui vient donner des cours sur comment traiter En fait, elle a traité pendant toute sa vie des jeunes filles qui ont été abusées sexuellement et elle les a traité par l'approche du psychodrame. Donc viens voir. Donc oui, je vais aller voir. C'est très intéressant. Voilà, je me sentais pas particulièrement concernée par ce sujet, mais enfin, je me suis dit, ben voilà, ça me donnera quelques heures de plus. Et alors là, dans les 3 minutes, j'ai eu un double choc. J'ai eu un choc émotionnel et un choc professionnel. Le choc émotionnel, ça a été déclenché par une vérité absolument imprévisible, c'est que Anne Bannister nous disait que
3 enfants sur 10 dans nos contrées ont subi au moins une fois un abus sexuel. Et je me suis dit, mon Dieu, 3 enfants sur 10, mais c'est 30% de la population. Mais ils sont où? Et c'est là justement que j'ai eu le choc émotionnel. Je me suis dit, mais non, j'ai immédiatement vu les classes de mes enfants, 20 enfants par classe. Je me suis dit, donc il y en a 6 dans chaque classe. Ce sont lesquels? Et j'étais incapable de répondre à cette question. Et puis, j'ai vu aussi mes 2000 patients. Et je me suis dit, ils sont où? Je me souvenais d'une seule femme qui m'avait une fois parlé des abus sexuels qu'elle avait vécu. Elle en avait parlé spontanément. J'avais eu beaucoup de compassion pour elle, mais je n'avais pas su quoi lui répondre. Et je n'avais pas su comment l'aider à dépasser ça. Alors, je me suis dit, soit Anne Bannister raconte des bêtises, soit on est complètement à côté. Parce que je me suis rendu compte qu'en médecine, on n'a jamais eu une seule heure d'enseignement sur ce sujet. Pas une seule heure. Et que donc aucun médecin ne sait vraiment ce que c'est qu'un abus sexuel, au point de vue de la santé, bien sûr. Aucun médecin sait les conséquences des abus sexuels. Aucun médecin sait les détecter, parce que les gens n'en parlent pas, c'est secret. Et aucun médecin sait les traiter. Alors là, j'ai eu un sacré choc. Et je me suis dit, mais attends, ça ne va pas. Il faut absolument trouver. Donc là, je suis partie avec une vitesse grand V, avec une sensation d'urgence, à essayer de comprendre ce phénomène, à commencer à lire plein de choses, à essayer de trouver des formations. Enfin, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la problématique était réelle, parce que j'ai commencé, moi, à poser des questions parmi mes patients. Et je les ai tous trouvés, ils étaient là. Hein. Peut-être même plus que 30%, parce qu'ils étaient malades, il y en avait peut-être plus, je ne sais plus. Je n'ai pas fait des statistiques, mais ils étaient tous là. Et je me suis retrouvée dans une situation impossible, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai ouvert la boîte de Pandore, je ne peux pas la refermer comme ça, ça ne va pas se laisser refermer. Comment on va traiter ces gens? Je me rendais bien compte que je ne pouvais pas les adresser à des psychiatres, parce que les psychiatres n'avaient pas eu cette formation non plus. Et même s'ils avaient eu, j'avais pas assez de place pour adresser tous ces patients. Sans compter le fait qu'il y a plein de patients qui n'auraient pas voulu aller voir un psychiatre, qui étaient d'accord de me dire, voir un généraliste, mais pas un psychiatre. Il y a aussi ça. Hein. Bon, enfin, je me suis rendu compte très vite que c'était moi qui allais m'en occuper. Et qu'il a fallu que je développe des outils. J'ai commencé timidement. Avec l'hypnose, avec la compréhension des émotions, avec comprendre qu'en fait les émotions étaient bloquées, enfin, et apprendre à aider les patients à débloquer ces émotions. Enfin voilà, j'ai mis en place en fait une approche thérapeutique qui tranquillement s'est mise en place. Et j'ai développé cette technique que j'appelle maintenant de la thérapie émotionnelle, qui est devenue très très performante au fur et à mesure des années. Dans chaque thérapie, j'apprenais quelque chose de plus, hein, parce que des fois, il fallait trouver une solution immédiate, et j'ai développé aussi donc ma créativité. Et voilà, mis en place une approche de thérapie émotionnelle. Lors d'une prochaine vidéo, je vous parlerai des abus sexuels dans le détail. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et suite à ça, je me suis dit, mais alors vraiment, là, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour mes collègues. Parce que je me suis rendu compte que mes collègues n'avaient pas les infos. Je me suis dit, mais ça ne va pas, maintenant je les ai, il faut que je les transmette. Donc j'ai écrit un premier livre en 2008 sur cette problématique abusive. Je vais vous le montrer. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ça s'appelle « Sommes-nous tous des abusés ?» Ça a été écrit et publié par Médecine et Hygiène, donc une maison d'édition médicale. Et là, le médecin m'a dit « Mais vous ne pouvez pas écrire que pour les médecins, il faut écrire aussi pour le large public. »
Donc, ça a été un défi d'écrire pour les deux. Je crois que je me suis bien débrouillée. Ça fait donc 7 ans maintenant que ce livre est sorti et je le trouve toujours très bien. Je vous le recommande. Vous pouvez toujours le trouver sur les différentes librairies. Il est accessible. Sommes-nous tous désabusés? Ça parle des différentes formes d'abus, parce qu'il n'y a pas que des abus sexuels, il y a des abus physiques qui sont les maltraitances, et il y a une forme d'abus qui est omniprésente, c'est les abus émotionnels. Donc en fait, on a tous un peu cette problématique, et ce titre est venu suite à différents patients qui me disaient, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu abusés? Voilà, donc c'est comme ça que ce titre s'est créé par lui-même. Et donc c'est un livre de théorie, il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup d'explications. Enfin, c'est le résultat de nombreuses années de recherche personnelle, de lecture et de réflexion. Et 2 ans après, j'ai écrit un deuxième livre, voilà, qui s'appelle Victime, non merci. Alors ça, c'est un livre qui est totalement différent, qui est une approche pratique, en disant, bon, il y a beaucoup de gens qui sont des victimes. Alors, quelles sont les caractéristiques des victimes? Apprenez à vous retrouver. Vous qui avez subi des choses, retrouvez ces problématiques. Et voilà comment on peut sortir de ça. En fait, la démarche au départ, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui sont dans une problématique de victime, ils se remettent tout le temps dans les mêmes situations. Quelqu'un est mobé au travail, il retombe sur une autre place, on le mobe de nouveau, une femme est battue, elle retrouve un autre mari qui la bat, quelqu'un est marié avec un alcoolique, retombe sur un autre alcoolique. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait tout le temps ces schémas de répétition, je ne comprenais pas pourquoi. Donc là aussi, j'ai cherché, j'ai essayé de démonter tout ce système pour le comprendre. Et puis, donc ce livre est une espèce de livre disant sortir de victime mode d'emploi. Voilà. Donc, c'est les 2 livres que j'ai écrits. Et pendant que j'étais en train d'écrire ces 2 livres, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire sur les abus sexuels, j'ai beaucoup de choses à dire sur les abus émotionnels, et j'avais à peu près rien à dire sur les abus physiques, donc les maltraitances. Je pouvais dire qu'il y avait des femmes battues et des enfants battus, mais c'est à peu près tout ce que je peux dire. Puis je me suis dit, mais attends, ça ne tient pas la route. Et là, il a fallu que je me documente, donc je suis de nouveau partie à la recherche. Et je suis tombée là sur un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux. De nouveau, une prise de conscience, presque un choc émotionnel, de nouveau. C'est le petit livre d'Olivier Morel qui s'appelle La Fessée. Je vous recommande vraiment ce livre, La Fessée de Olivier Morel. Et en fait, il explique la problématique de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire celle que tout le monde pratique sans s'en rendre compte parce qu'il l'a subi lui-même et parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Et on se rend compte qu'on utilise, nous les adultes qui sommes 3 ou 4 fois plus grands que les petits-enfants, nous utilisons beaucoup, beaucoup de méthodes très violentes pour les éduquer et que ça va laisser beaucoup de traces. En fait, on abîme nos enfants avec cette méthode éducative en sachant que les adultes, et notamment les parents et les éducateurs aussi qui utilisent ces méthodes, sont convaincus de faire juste. Donc, il n'est pas question du tout de leur jeter la pierre. Et la violence éducative ordinaire n'a strictement rien à voir avec la maltraitance. Donc, ça aussi, ce sera détaillé dans une prochaine vidéo. Mais juste aujourd'hui, je pose cette information. C'est probablement une des causes de toutes les violences sur la Terre. Parce que chaque fois qu'un petit enfant vient au monde, on abîme son système émotionnel. Et ça se reproduit à l'échelle de 7 milliards sur cette Terre. Donc c'est un très, très gros problème. Et donc, quand j'ai pris conscience de l'étendue de la problématique, là, j'ai vraiment décidé que j'allais vouer ma vie, le reste de ma vie, à travailler pour cette cause, c'est-à-dire la prise de conscience des adultes par rapport à ça, et leur donner des outils pour une approche, pour une éducation positive. Voilà, ça c'est le travail dans lequel je suis en train d'œuvrer.
J'ai terminé il y a quelques mois l'écriture d'un très gros livre qui s'appellera Élever nos enfants avec bonheur. Pour l'instant, ce livre n'est pas publié, il est en attente dans les éditions. Mais voilà, c'est fait. Et puis, je continue de me mobiliser tous les jours en informant aussi mes patients. J'ai aussi créé un site que vous pouvez aller visiter qui s'appelle www.sommes-nous-tous-des-abusés.ch. Donc, c'est la même chose que le titre du livre, sauf qu'entre chaque mot, il y a un trait d'union. Sommes-nous-tous-des-abusés.ch. Voilà. Et là, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations. Ces dernières années, dans le cadre du travail contre la violence éducative ordinaire, je suis allée plusieurs fois, pendant 2-3 ans quand même, au Maroc. C'était pas prévu du tout, la période marocaine, mais j'ai adoré faire ça. Les Marocains sont extrêmement ouverts à ce qu'on leur apporte des infos et des outils. Et je suis allée là-bas pour partager mes découvertes et oui, mes outils avec des éducateurs, des directeurs d'école, des enseignants, mais aussi avec des parents. Dans le cadre des instituts français, il y a pas mal de gens qui sont venus écouter. Et ça a toujours été un très, très grand bonheur. Et j'ai été magnifiquement reçue chaque fois au Maroc. Et j'ai des amis là-bas maintenant et j'aimerais leur dire bonjour, un petit sourire de Noël pour vous. Merci pour votre accueil. Voilà, donc une vie très intéressante, très passionnante, que je me réjouis de partager avec vous au fur et à mesure de toutes les futures vidéos. Et j'aimerais vous laisser juste avec une citation qui me parle énormément. C'est une citation d'Ambroise Paré. Ambroise Paré, qui est un chirurgien du XVIe siècle, et qui disait... guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Voilà. Alors je vais vous laisser avec cette belle citation. Elle va pour nous tous, hein, finalement, les médecins, tous les thérapeutes, mais aussi nous chacun dans notre vie de tous les jours. Il faut que nous soyons animés de l'amour universel et inconditionnel. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir aujourd'hui et on se retrouve dans un mois pour parler des émotions.